Mais du coup, je vais vérifier si j'ai des matchs à faire et je vais te laisser probablement commenter avec une autre personne qui va venir. Ouais, c'était sympa de commenter avec toi. Allez, bonne chance pour la thématique. Merci. Je vais te voir après ta victoire. Yes, évidemment. Du coup, je vais reprendre le commentaire hein, en attendant que mon camarade est parti, soit parti. Nous sommes donc entre Pierre Dan et Bob sur PS2, voilà la maison PS2 hein, à l'ancienne. Du coup, retourne sur le commentaire. Et on est reparti Bob, du coup, qu'on a vu ce matin, là, qui jouait FNES. Et on va voir de suite où il en est, Bob, parce que c'est vrai que là, pour l'instant, là, Yoshi, c'était... Il se prend plus, là, Yoshi, c'est vrai que Yoshi, niveau aérial, là, le pauvre Bob, il va pas pouvoir faire grand-chose. On parle quand même de Yoshi, hein, qui est l'un des meilleurs persos en l'air. On peut voir la vitesse à laquelle il va, et Bob, là, c'est Upbeat, hein, tranquillement. On va couvrir la zone. Malheureusement, ce genre de Upbeat, là, Bob, il a bien fait de cette manière, parce que... Sinon ça aurait pu résister à Cardone qui a bien commencé son stage de manière étrange et bah son stage et pour l'instant ça se trade assez bien, pour l'instant les pourcentages sont assez égaux. Cardone malheureusement là qui est automatique en dehors de l'UF, là faut que tu fasses attention, bon il reviendra tranquillement. Oh non il reviendra pas au final. Bob qui a très bien l'edgeguard de jeu. Bob qui a très bien l'edgeguard. Il a pas laissé une seule seconde de répit là au top de l'edge. Et on est de retour. Voilà, on enchaîne, on commentarie match. Oh le backer, et voilà, j'arrive et un backer. Ok, donc c'était quand même Bob qui avait pris la première slot. Donc alors Bob, pour la petite histoire, c'est un joueur qui, je crois, il est espagnol, c'est ça? Il vient d'Espagne, et sauf qu'il a emménagé. Non, il a emménagé à Toulouse au début de l'année. Ah non, non, en fait on le voit au tournoi depuis le début de l'année. Ouais. Et il a fait quelques bons placements quand même à Toulouse. Oh pas mal, il est quand même en train de prendre. Et là il s'en sort bien contre... Je sais pas si Yoshi est un mauvais match-up pour... Et là la Max Row, en tout cas, même lourd ou pas, 104 ou pas, en tout cas je peux dire un truc, c'est que Cardan ne connaît pas trop le match. Ah, je sais pas s'il est très familier avec le match-up Ness. Ah mais après je pense que le match-up n'a pas l'air d'être trop influencé parce que les Yoshi quand même dans le match-up. Se passe sur l'air, voilà, et l'air il a l'air de bien savoir comment jouer l'air contre Ness. C'est vrai que oui, il a un peu de match après. Ah le LEM, ouh là là, ça tente. Mais ça va, c'est pas fini. Ok, donc retreat F smash, c'était bien vu. Je pense qu'il a catch sûrement une dash attaque de Bob. C'est ça. Enfin, n'importe quoi qui était un dash-in. Ouais, d'accord, en tout cas qui a dash-in, car là il a bien un voilà. Ouais, c'est assez even. Ah, tu vois, ça c'est pas mal. Yoshi qui peut jump du piqué fire. Ah oui. Grâce à Super Armor. Ouais, ce qui est pas mal du tout parce que sinon il y a beaucoup de persos qui sont. Voilà, oh, là, pas mal de repères. Et c'est even. Non, même avantage Cardan a pris 4 repères. 92%. Et là attention parce que le problème c'est que à 0% c'est quand même Ness qui va avoir l'avantage. Ouh, smooth movement en fait. Là il est arrivé sur lui avec un petit donner, don B cancel into faire un grab je crois. C'est pas mal. C'était ça. Et là, non, j'ai cru que... Et là le truc c'est que une Max. Oh le first du Sour Spot. Très mauvaise DI. Très mauvaise DI de Bob qui s'y attendait certainement pas. Dommage de la part de Bob. Et bien joué à Cardam qui remporte la première. La première game, c'est ça, c'est la première game. Et donc du coup, Yoshi qui nous montre son derrière sur cette pause victoire. Il est trop drôle ce perso. Je le déteste hein, je le déteste. Oui, il est très très fort dans ce jeu. Bah je pense que ça doit être un high tier quand même, un high tier ouais. Ouais, high tier au mid tier. Ouais. Je sais pas, ça je sais pas trop, je te cache pas, je... Je pense que... Mais qu'il peut avoir avec son super armor aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Yoshi est assez prévisible. Bah, pas tant que ça quand même, parce qu'il peut mix up un peu avec tout ce qui est le up B, l'œuf. Son saut, l'air dodge directionnel qui va très loin, l'air dodge directionnel, c'est un move de recovery en soi hein, avec Yoshi. Ouais, mais c'est punissable. Ouais, j'avoue. Quand on a l'habitude, on comprend qu'on peut punir l'air dodge directionnel de tous les personnages qui attrapent le lien. Celle de Yoshi, elle est quand même si elle va loin, tu vois, elle est très lente, t'as le temps d'avoir venir. Ok. Malgré tout, un perso très fort. Deuxième match. Je crois que Ness est fort quand même dans ce jeu. En vrai, après, il y a beaucoup de personnages mid-tier dans le jeu. Après, mid-tier ça va pas dire grand chose. Ouais, ça va pas dire grand chose. Ok, donc là, tu vois, encore une fois, le piqué fire qui va lead dans rien contre Yoshi. Et ça, c'est un très très bon avantage pour lui. Hein. Parce que le piqué fire, bon, ça fait pas le gros du jeu de Ness quand même. Enfin, ça ne devrait pas. Faut faire attention, parce que là, du coup, il s'est pris deux à faire gratuitement. Heureusement, c'est pas allé plus loin.
Et là, oh, très belle attente. Il a attendu simplement une hard dodge in ou une tech. Hein. Ouais. Okay. Là c'est F-tilt upper, il a tenté de catch le catch Bob à la redescente avec un 9. Et là du coup c'est Bob Captain Carstead, bien jab qui est trouvé. Et là, attention, il y a une tech chase. Ouh, il est allé chercher. Elle est allée très très loin cette deux attaque. Il a complètement, il a grave sa queue. Il a fait je non. Oula, qu'est-ce qui vient de se passer là? Le up air qui est passé sous le F-smash. Oh, bien bien vu. On a entendu un petit nice de la part de Bob. Donc il a bien aimé le up air. Le up air, mais qu'est-ce qu'il fait mal ce up air? On dirait pas hein, par rapport à l'animation maintenant. Je sais pas si tu te rappelles d'animation du ancien up air. Coup de tête. Ouais, c'est un gros coup de tête. Maintenant c'est avec la main. Et maintenant c'est la main, ouais. On dirait pas que ça fait mal. Mais... Ouais, c'est ça. Et par contre, ça tue aussi tôt, franchement. Ouais. Et puis ça peut toucher plus longtemps en fait, puisque là il hitbox. Oula, ça vient de se passer là, je crois qu'il y a une. Ouais, il y a la hardbox de Yoshi. Ouais, tu vois, vu que le upper dure plus longtemps, c'est meilleur pour juggle. Ok, là encore, en parlant de juggle, deux upper trouvés. Ouais, et du coup, il se fait. Ouais, ok. Un air à dodge shield, bon ledge trap de la part de. La tempête de catch. Ouh, et là c'est Carbine qui a l'option de jump. Là tu vois, heureusement qu'il a l'air dodge, ça va pas tuer à 100. Oh, ça tue à 110 au ledge, mais. Après, ce qui a l'avantage de Fio aussi niveau recovery, c'est quand même un des personnes qui a la meilleure vitesse. Oui, un des meilleurs speed, d'ailleurs ça va être beaucoup. Oh, là c'était bien vu. Fire, non, en plus c'est bien vu parce que du coup, ça a empêché Cardan de faire son fer, parce qu'il arrivait très agressivement avec un fer pour spike. Là, le B neutral de Yoshi qui n'aggrave rien du tout. Là, tu vois, au sol par contre, aucun souci de s'en sortir. Et là, oh, l'air de directionnel. Deux personnages qui ont deux belles airs de directionnel pour revenir, cela dit. Ok. Oh, il a juste. C'était dangereux ça, tu sais, il a l'aile sur lui et il a grab direct. Genre, Carmen s'y attendait pas du tout. Ouais, Bob, il. Ok, le F-tilt. F-tilt va pas tuer. Oh, F-tilt. Ça, c'est le F-tilt. Ouais, le F-tilt, c'est le petit coup de plus. Ouais, ça envoie à peu près au même angle parfois. Ouh là là là, oh mais là, mais spot dodge, c'est très très audacieux. Cardan me remerciera pour cette conférence, mais très audacieux. Ouh, il va le chercher loin. Et Bob qui arrive bien avec l'air de Jackson. Bob qui va rien donner, hein. Mais trop flotty. Et là, ce qui est dommage, c'est que, ok, il tente le up smash qui allait chercher très très loin. Ouais, le yo-yo, ça arrive, c'est un yo-yo qui va assez loin et qui va rattraper ce Cardan pour le tuer au final. Très beau match quand même, hein. Très beau match. Ouais, il est chercher là. Ah ouais, il s'est passé. Ouais, là, Cardan qui allait chercher. Il allait chercher jusqu'au bout du monde. Hein. Dommage qu'il est pas touché. Ouais, il est pas touché, il a pas concrétisé ce out of stage. Et du coup, là, le dernier match de ce BO3. Une balle de match, exactement. Est-ce que ça va retourner sur PS2? Peut-être un full match sur PS2, je sais pas. C'est ça. On va peut-être revenir à la maison, là. À la maison, exactement. Comme. Comme Smashville à l'époque, telle époque, comme j'ai envie de dire. En 1937. Et on retourne. Enfin, on va visiblement sur FD, effectivement, tu as raison. Donc, destination finale, un terrain plus petit que PS2. Ça va peut-être. Après, c'est 10 personnages qu'il a. Enfin, en tout cas, ces deux joueurs-là, je leur parle de manière très agressive. C'est pas forcément le seul playstyle, mais. Je sais pas si FD avantage cachant un spécial dans les deux, pour vous, je trouve que vu qu'il n'y a pas de plateforme. Après, aussi, c'est vrai qu'il a un bon jeu. Ouais. Le fait qu'il n'y ait pas de plateforme. Et après, ouais, c'est ça, parce qu'il va pas pouvoir reset sur les plateformes. Là, Bob qui choisit de faire une bâtiment à 0%, j'ai pas compris. Ouais. Ok, la dash tilt, up air, ok, le nerf qui a trade en combo breaker. Ouh là là, heureusement qu'il y avait ce nerf en combo breaker. Parce que sinon, le fer aurait tué l'aise. Oh, très beau pari, mais encore une fois, l'air tilt de Yoshi qui l'a fait passer derrière. Up tilt, up air. Oh, le back air, il a bien attendu. Ouais, pas mal ça. Ouais. Aïe aïe aïe. Est-ce qu'il a utilisé le move? Il a pas utilisé ton jump, sinon c'était terminé. Là, c'est dommage, encore un pari. Je sais pas s'il était volontaire, puisque c'est pas du tout fini derrière. Bon, c'est la dash attack, le nerf. Oh là là, les deux très agressifs. Hein. Ouais, très agressif, celui-là, le back air. Hein. Attention, parce que là, un back air qui touche. Non, il revient avec son air de directionnel.
Donc encore une fois, avec le LED, il joue un peu plus ouais, ouais. Rester aussi longtemps dans le vide. Oh le upper qui nous catch Cardan. Connecte. Ouais mais c'est. Qui tue surtout à 150 mètres. Qui tue surtout aussi, mais ouais, qui connecte sur le saut de. Ouais bien vu. Ok, très bien. Il se couvre pas mal avec le upper pour revenir. Voilà. Ouais. Et là, ça grabe de peu. Ça grabe de peu mais ça grabe le LED. Ah dommage. Il a tenté de faire un. Encore une fois, ici ouais, ouais. Pas de soucis, ouais. Peut-être que Bob de pourrait aurait intérêt à Reed, à Reed et jump justement de. Ouais, de di- ouais, et directement aller le chercher. Voilà, ouais. Ça, très bien. Bien vu. Je pense que Bob ne peut pas faire ça pour l'instant. Pour l'instant là il est dans une phase. Il ne lâche pas, il ne lâche pas. C'est marrant, hein, il a le lead mais. Il ne lâche pas. Bah, c'est dommage, la seule le Baccarat de qui va tuer. Ah, il a deux up tilt de mon origin taunt. Le double up tilt là de Cardan. Oh là là, très belle DI. Hein. Ouais, ouais. Ouh là, par contre, mauvaise DI là-dessus, ça a failli tuer. Alors, et là, ce qui est dommage, c'est que n'importe quoi de Ness va tuer à ses pourcents. Un backer, un air, un down smash. Un down smash qui ne... Le down smash qui te freine gratuitement. Heureusement que c'est pas. Alors, imagine ça sur Wolf. Ah, c'est pour ça en fait qu'il. C'est peut-être pour ça qu'il fait pas la down throw, tu vois. Parce que là, il a pu nair directement. Ok, ah ouais. Double nerf. Ouh, ça tentait de chercher un der. Et là, attention. Ouh, quel dommage. Quel dommage. Oh là là, et encore une fois là. Il évite de peu les faire. Il évite de peu la mort là. Hein, Bob. Là, Cardan, il est en mode bon, écoute. T'es bien gentil. C'est gentil, mais là, il s'est fait prendre par contre. Oh là là, oh l'air de triche. Ouh là là, il a réussi à redrift pour regrab le ledge. Allez là, Cardan qui. Oh aïe aïe aïe, quel dommage. Ah, le piqué fire. Oh, il a réussi. Le F-tilt qui est une kill option, ma soeur. Oh là là, qui vient sauver un peu Cardan. Le fer qui va pas toucher. Oh, ça touche. Qu'est-ce que c'est que ça? La Xbox, vieux. Ça devait être une guerre de patac, sûrement. T'as fait une guerre de patac? Je sais pas comment. Mais je sais pas comment ça t'a touché là.